gars, on est dans un bourbier. On est dans un bourbier. Life is good. Donc là, les gars, il reste 4 tables en fait sur le tournoi. Il y a une table là-bas au fond. Il y en a une ici, il y en a une autre derrière. Ouais, ils sont 4 tables encore en lice pour le tournoi. Et le premier, je crois qu'il remporte. Le premier remporte combien, là ? 4 millions. 4 millions. Hey les gars, aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente d'habitude. J'étais même pas au courant, donc je viens de l'apprendre là. Donc ce qu'on va faire, apparemment, là il y a un tuto poker, t'as vu, pour ceux. Qui veulent avoir les bases avec des joueurs, donc qui vont venir, qui vont nous expliquer un peu les bases, parce que moi je croyais pendant longtemps que t'as vu le poker c'était t'as de la chance, t'as pas de chance, et c'est comme ça tu vois, mais en fait il y a des pourcentages, ça rentre dans des mathématiques les gars, enfin bref, donc voilà, là il y a un tuto, on va faire le tuto, et suite à ça on va participer à un tournoi, et apparemment il y a vraiment des gains en jeu, j'ai hâte, ça va être une vidéo spéciale poker aujourd'hui, on va remporter le gain. Hey, salut les gars, c'est la voix off. C'est lourd aussi avec une petite voix off, non? Bon, là, c'est histoire de vous raconter un petit peu que je vais pop au cours de la série, au cours de certaines vidéos pour accélérer un peu le contenu. Comme je vous ai dit juste avant, là, on est en train de prendre un petit tuto des bases du poker. Et ça se trouve, parmi vous, il y en a qui ça intéresse pas et qui savent pas jouer au poker. Donc, on va pas s'attarder dessus et je vais accélérer. On passe à la suite. On est en train de s'enregistrer pour le tournoi. Ça y est, on a inscrit. On a inscrit. Alias, je vais te fumer. Moi, je vais te fumer. Moi je vais te fumer. Moi je vais te fumer. Toi tu vas perdre. Moi je vais te fumer. Let's go. Bon là les gars, je suis en train de me faire un petit transfert de son. Comme ça pendant le tournoi de poker là, je vais me mettre des petits sons dans le casque. Je serai opérationnel. Voilà. Je suis prêt pour le tournoi. J'espère qu'on va gagner le jackpot. Si je le gagne, qu'est-ce qu'on en fait d'ailleurs, tiens. On verra. Puis voilà, on se retrouve à table. Je sais pas si je pourrais filmer ou quoi, j'en sais rien. Bon, en tout cas, si je peux filmer, il y aura des images. Si je peux pas filmer, les gars, de toute façon, il y aura un débrief après. Et voilà, à tout à l'heure. Bisous. Je mets un coup de boule. Bon, les gars, et je suis choqué. Je suis arrivé quatrième. Sur 250. Sur 250, les gars. Bref, ça continue, je joue. Les gars, j'ai des putains de mains. Des putains de mains sur putains de mains. Que des dingueries. Moi-même, j'étais choqué. Allez, t'es trop beau. I love you. Que je vais faire de toute cette oseille. Ma question préférée, que je vais faire de toute cette oseille. Attention. Genre les gars, j'ai deux cartes éclatées. Genre éclatées, vraiment. 7 et 4, c'est éclaté. Je fais all-in. All-in, c'est je mets tous mes jetons en jeu. Il y a un gars, il me suit. Moi, je me suis dit, ouais, ça y est, je sors. Je vais rentrer, je vais manger, je vais dormir, tu vois. C'est pas genre le croupier, il retourne les 3 premières cartes. Dans les 3 premières cartes, il y a un 7 et un 4. Ça veut dire que j'avais déjà double paire. Le croupier retourne la dernière carte. Un autre 7. Genre, j'avais une putain Il a fait un full. J'ai fait un full qui est une putain de main, alors que normalement avec de base... Avec un 7 et un 4. Alors que de base, ça devait t'éclater. Je suis choqué. Mais quel crack ce ami. Je suis choqué. Mais je suis choqué. Juste pour info, on n'a pas payé l'entrée, les gars. C'est PokerStar qui nous a offert genre pour jouer, pour le plaisir. Je suis sorti avec de l'argent que je vais offrir, je vais donner cet argent. Juste, niquez pas votre vie avec des jeux d'argent. Voilà, c'est dangereux de malade. Tu peux venir accro vite. En émotion, c'est dingue. Ah mais franchement, j'avais des boules au ventre des fois, c'était un truc de ouf. En émotion, mais même moi, j'étais en première loge, je faisais « Oh le bâtard !» à moi. En émotion, c'est ouf, mais les jeux d'argent, les gars... Ouais, voilà, à éviter quand même. Oublier. Vraiment. Bon, en gros, je vais pas laisser la séquence trop longtemps parce que je débite pendant au moins 10 minutes. Je suis sous l'euphorie d'avoir remporté quasiment le tournoi et d'être arrivé 4ème. Donc je débite depuis 20 minutes. Donc je t'accélère ça. En bref, je suis arrivé 4ème sur 259 participants. Ce qui est une dinguerie. J'ai passé une putain de soirée et c'était incroyable. Donc là, j'accélère. Voilà, j'accélère. Je suis en train de raconter avec quelle carte j'ai sorti telle et telle personne. Voilà, je suis fier de moi. Je suis content, youpi, blablabla, blablabla, blablabla. Boum! 1.65. Je veux game, hein? Ça va être tout le temps moi. 1.6.
and 5,000. Alright, 1,6, 5,000. Yeah, guys! 1,6. J'arrive toujours pas à croire. Non, à la fin, quand ils m'ont tous checké, ils ont dit franchement. J'ai fait, ouais. Mais moi aussi, je te respecte. Ah, je suis quelqu'un dans le poker maintenant! Ouais, de ouf. Merci chérie pour cette soirée. Merci de m'avoir fait kiffer. C'était trop trop. T'inquiète, tu peux compter sur moi pour les émotions. Bon les gars, vas-y, on vous embrasse, on va graille. J'ai toujours pas mangé du coup. Bah vas-y, aujourd'hui c'était une vidéo spéciale poker. Bisous, on t'embrasse. Allez, bisous, bonne see you. Love. Bon, on est passé au jour 5 directement, comme vous vous en doutez, j'ai passé la journée à table à jouer au poker, et comme je peux pas filmer et parler en même temps à table, bah du coup j'ai décidé de mettre 2 jours en une vidéo. Là ils sont déjà tous millionnaires les gars, c'est incroyable. Je suis encore fier de toi, je te jure, je m'en remets pas. De quoi ? D'hier soir ? De l'exploit d'hier soir. Bon les gars, là en vrai, on a rien fait, on a déjeuné. On a été regarder un peu le tournoi, enfin les finalistes là. Les finalistes, faut savoir qu'il en reste 6 et que les 6 sont millionnaires. Voilà, les 6 ils sont sûrs d'empocher le million déjà. Sur la table et des millionnaires. C'est une dinguerie. Ouais, c'est un truc de... Là on fait quoi? On va se promener un petit Moi, peu, on va bien se poser. On va aller à la plage. Tu vas aller à la plage? C'est notre dernière journée aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai, c'est le dernier jour. Demain, on a toute la journée quand même, enfin toute la matinée je veux dire. Et on part l'après-midi. Donc ouais, c'est notre dernière journée entière quoi. Ouais. Les gars, on est dans un bourbier. On est dans un bourbier. En fait, pour venir aux Bahamas, on a pris un billet. Enfin, ils nous ont pris un billet, plus précisément. Paris, Londres, Londres, Bahamas, tu vois. Donc, t'as pas besoin de... Comment ils appellent ça? Desta. Desta ou de visa, ok? Donc, ça passe. Sauf que le billet retour, ils nous ont acheté un billet. Escale Washington, aux États-Unis. Ça veut dire qu'il nous faut... En gros les gars, là moi j'ai un petit souci, j'ai pas toutes mes doses de vaccin contre le Covid et nos billets retour, on nous les a pris en passant par les États-Unis. Et quand tu passes par les États-Unis, ce qu'on savait pas, c'est qu'il faut les 3 doses. Donc là moi je suis dans un vrai bourbier et il faut que je trouve un moyen quoi pour pouvoir rentrer, sinon je reste bloqué au Bahamas tu vois. Ça m'énerve. Ça t'énerve? C'est pas grave chérie, moi je reste là, toi tu rentres hein. La bonne nouvelle c'est que vous aurez du temps pour aller voir les dauphins. Ouais, moi j'aurai le temps d'aller voir les dauphins. Bah oui, on reste bloqué, on va voir les dauphins. Non mais toi tu rentres toi. Bah moi j'ai pas le choix de rentrer. Bah oui on a pas le choix mais bon on va trouver un moyen vas-y. Bon reste écho, on voit la suite. Allez au vénère. Au pire Ali reste bloqué c'est pas grave. On a fait les demandes d'Esta, du coup les visas là. Parce que comme je t'ai dit on a l'escale aux États-Unis. Ouais il parle à la caméra. Ouais. D'accord. Du coup je crois que je vais rester bloqué. Ça veut dire que là, il faut que je prenne un billet. En fait, il faut qu'on trouve un billet. On n'a pas le choix, en fait, c'est ça. Hein ouais, au final. On a tout regardé, on a tout checké. Les compagnies aériennes, les billets. Les billets retour étaient aux environs 2 500-3 000 euros pour rentrer sur Paris. Du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, je suis dans un vrai bourbier, hein, c'est mort. Tant pis, soit faut prendre un nouveau billet, soit je reste bloqué. Pas d'autre choix. C'est ça que. Non, mais ça, on s'en fiche. Tu tapes une mission et puis c'est tout. Mais oh, ok, là, ok. Il n'y a mais... pas. Aux États-Unis. Ouais, c'est l'Esta. Il faut l'Esta parce qu'il faut un visa quand tu arrives aux États-Unis en fait. Là, les gars, je vous jure, je le montre pas à la vidéo, mais je suis au bout de ma vie. Je me dis que je vais rester bloqué aux Bahamas et ça va être compliqué pour moi de rentrer à Paris. Mais vas-y, je prends sur moi. En plus, c'est la soirée de clôture. Je me dis que, allez, je vais me changer les idées et puis on verra ça dans la nuit. On essaiera de trouver un autre moyen. Gotta make it just for my kids and for their kids. His kids, that's wealth years and years. Promise my brother soon as he out of finish this bid. We finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, job that's real big. Satan trying a little, my God is real big. Stayed up on the grind on the cards is real big. Les gars, ça y est, je trouve un moyen. Pendant un moment, je croyais que j'allais rester bloqué ici. Hein. Je vous dis la vérité, on était obligé de racheter des billets. Bref, je vous passe les détails. On a passé toute la soirée à essayer de trouver un moyen. Du coup, il n'y aura pas trop de contenu sur cette vidéo. Je suis désolé, mais j'espère que ça t'a plu quand même. Pour toi, c'est tout de suite. Si tu passes à la vidéo suivante, on est dans une autre destination. Pour moi, c'est dans une semaine. Magie du montage. J'espère que la série, elle te plaît jusqu'ici. C'était les Bahamas. On s'attrape dans une autre destination. Bisous. Bisous. On s'attrape.